Fabien, bonjour. Pablo, bonjour, bonjour à tous. Sud Radio, la Minute du Coach. Minute du Coach, nouveau rendez-vous sur Sud Radio avec comme thème chagrin d'amour, chacun ne fait pas ce qui lui plaît. J'aime ce contre-pied. Pablo, nous l'appellerons Isabelle. Le prénom est joli et puis c'est mieux que des initiales. Isabelle donc participe à une formation que j'anime. Fidèle, ponctuelle. Sauf que ce matin, elle est là sans être présente. Si elle s'est maquillée, la peau grise et gloutonne a tout absorbé. Avec les larmes sans doute, je devine ça. Une peau marquée, taillée comme au burin, taillée de rides et goulottes. Les larmes ont dû suivre le chemin de ces goulottes-là. Se répandre par à-coup, par gerbe. Des éruptions de larmes ou un chagrin s'est noyé, naufragé, se noiera encore. Les chagrins d'amour peuvent se noyer longtemps. Isabelle contraint un sourire. Les lèvres dociles s'exécutent à demi, un soupçon de sursaut. Les yeux ne sont pas éteints, mais si loin. Profond comme une nuit sans nuages et sans lune et sans étoiles. Un infini de regards, un infini de vide. Un regard qui a compris, qui sait. Ni vers l'avenir, ni vers le passé. Il n'est tourné vers nulle part, juste une béance. Une faille immense, inouïe. Isabelle voudrait se dresser, mais le poids de la douleur fait se courber les os. Elle ploie, menton vaincu par la gravité, épaules basses, épaules lasses. Et lasses les mains, et là, le pas trop lourd. Les jambes doivent être cadenassées par la souffrance qui n'a que le sol pour destination. Un corps aimé, étroit et léger, aérien, voltigeur. Un corps abandonné se tord comme une allumette consumée par trop de feu. Un corps abandonné meurt. Nous ne sommes que nous deux, soudain. Je risque une question, m'inquiète, demande. D'abord les mots convenus qui la font rester forte ou fière. Les mots de la contenance, ils sont faibles et n'ont besoin que d'un peu de bouche. Et puis, arrachés du ventre, d'autres mots cognent la gorge, se bousculent, jaillissent étouffés. Isabelle dit son chagrin d'amour, dit sa douleur, sa souffrance. Elle me demande, ça va durer combien de temps, Fabien ? J'arrête à temps les paroles de Jean-Pierre Clarisse de Florian. Plaisir d'amour ne dure qu'un instant. Chagrin d'amour dure toute la vie. Elles freinent de tout leur fer et butent sur les lèvres déjà entrouvertes. C'est drôle comme les paroles demeurent et pas l'auteur. Il n'aura duré qu'un instant. Ces paroles durent toujours et toute la vie. Le lendemain, dans une salle d'impatience, je trompe l'attente en me faisant croire que j'en fais quelque chose d'utile, feuilleter un magazine par exemple. Interview de Paulo Coelho au sujet de son nouveau livre « Adultère », où il dit que 90% des dépressions viennent de chagrin d'amour. Ça valait bien un article, non ? C'est quoi un chagrin d'amour ? Pourquoi un chagrin d'amour ? Il y a tant de gens, tant, et donc d'amour à prendre. Il y a moins d'eau et moins d'air et moins de lumière. Alors pourquoi tant de chagrin, puisque tant d'amour ? Lacan, impitoyable, livre sa réponse. L'amour, c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. La formule est piquante et fait briller dans les dîners, mais la souffrance d'Isabelle était palpable hier. Je la sentais dans les doigts, et la pirouette de Lacan, même brillante, ne dit pas pourquoi. Tentative de réponse à travers les regards croisés de trois psychanalystes, je les résume ici pour vous. Le chagrin d'amour est toujours en rapport avec un amour impossible. Il est lié à une demande d'amour qui ne trouve pas de répondant. Le trouvera-t-elle jamais ? Une recherche narcissique, un investissement narcissique qui ne dit pas son nom. Quand l'être aimé vous dit « je t'aime », il y a une sorte de gonflement interne, de gonflement narcissique. Si donc l'autre ne peut pas me donner cet amour-là, puis-je le compenser par l'amour inconditionnel de soi ? Me répéter des phrases positives, me narcissiser tout seul ? Oui, redorer l'estime de soi comme ça peut aider, vous relancer narcissiquement, mais pas complètement. À moins de vivre en ermite de l'amour, certains y réussissent. Alors comment s'en sortir ? Que répondre à Isabelle ? Prendre une distance par rapport à ce que l'on vit, par rapport au rapport amoureux qui est toujours imaginaire mais qui fait du bien. Comprendre et accepter que vous n'avez pas reçu ce que vous attendiez mais que la vie n'est pas finie. C'est un moment, un instant justement. Prendre de la distance en y réfléchissant, en parlant, en consultant. Il peut s'agir d'une situation de vie où vous n'avez plus de reconnaissance et où vous vous écroulez. Ici, l'amour n'est pas amoureux, c'est de l'amour encore. Ce reflet positif de soi qui n'est plus. Après tout ce que j'ai donné à mon entreprise, tant de loyauté, de sacrifice, et puis le rejet. Le manque de reconnaissance est une demande d'amour qui ne vient pas.
Curieusement, cette reconnaissance peut venir d'ailleurs d'une autre entreprise notamment, tout comme l'amour peut venir de quelqu'un d'autre. Alors pourquoi diable le vouloir absolument de cette personne spécifiquement ? La réponse serait-elle dans le trouble provoqué justement par celui qui ne sait pas s'attacher ? En devient par là plus désirable encore ? Mais tout ça, c'est vivre. Et vivre, c'est aimer, se faire aimer et en souffrir. Faut-il prendre des antidépresseurs pour ça ? Jean-Jacques Goldman donne sa réponse en 1997 avec On ira. On prendra les froids, les brûlures en face. On interdira les tiédeurs, des fumées, des alcools et des calmants cuirasses qui nous ont volé nos douleurs. La vérité nous fera plus peur. Une dépression est une demande d'amour au sens large qui tourne mal. Elle est aussi due à un sentiment d'impuissance, d'abandon, à de la colère contre l'autre, que l'on retourne contre soi. Mais l'antidépresseur est une couverture sur la vie. Isabelle devra assumer sa blessure. Sans doute elle cicatrisera. Sans doute sa cicatrice grandira avec elle, Isabelle. Ne pas l'occulter à tout prix, vivre avec, l'apprivoiser. L'homme, la femme, n'existe pas. Vouloir qu'un individu l'incarne à lui seul, tout seul, est illusoire. Isabelle rencontrera d'autres hommes et relativisera cet investissement massif, exagéré sur un seul. Peut-être. Le chagrin d'amour est un trauma. Comme pour tous les traumas, comme pour un accident de voiture ou une chute de cheval, il faut du temps. Le chagrin d'amour est un accident de la vie, une chute dans la vie. Il faut du temps aussi et remonter tout de suite si possible. Alors combien de temps, Isabelle ? D'aventure en aventure, Serge Lama ne s'est jamais remis de la perte de Liliane Benelli. Un autre Serge Gainsbourg mettra des années avant de faire son deuil de Brigitte Bardot. Bye bye, Bibi. Et Paul et Virginie, combien de temps, Isabelle ? Toute la vie. Mais peut-être les chansons ne disent pas la vérité, oui peut-être. On suivra les étoiles et les chercheurs d'or, on s'arrêtera jamais dans les ports. Même si tout est joué d'avance, il n'y a que les routes qui sont belles. Bon vol avec les aigles les amis, bon vol au-dessus des rivières de chagrin qui rappellent que nous sommes vivants.